Salut à tous! Autant le dire tout de suite, La Grande Route du Nord est juste un super roman. Une histoire pleine de suspense, des intrigues qui s'imbriquent les unes dans les autres, des personnages qui se croisent et se recroisent, les protagonistes sont liés les uns aux autres sans même parfois le savoir. Bref, La Grande Route du Nord est juste captivant, inutile de penser lâcher la lecture des 1000 pages réparties en 2 tomes avant la fin, c'est mort. Si vous commencez, vous ne pourrez plus vous arrêter. On ne peut que se laisser emporter par les aventures d'un flic anglais qui enquête sur la mort d'un clone non identifié, appartenant à une riche et très puissante famille, et d'une femme accusée d'un meurtre qu'elle n'a peut-être pas commis pour lequel elle a déjà fait 20 ans de prison, sachant que les deux affaires sont liées et qu'un extraterrestre pourrait avoir fait le coup. Tout cela se passe en 2143 entre Newcastle, où s'élève un portail transpatial permettant de se rendre à Saint-Libra, et la dite planète géante exploitée pour son biocarburant produit dans de gigantesques fermes d'algues. D'autres lieux, terriens ou bien plus lointains, sont aussi explorés au fil des péripéties nombreuses et haletantes. Alors, conflits fratricides, guerres industrielles, assassinats en haute sphère, intérêts économiques ou monstrueux extraterrestres tueurs. Militarisme, croyances religieuses, technologies numériques, médicales, génétiques et spatiales, hacking, sabotage, dissimulation, secret. Les choses sont-elles ce qu'elles semblent être, les personnes sont-elles ce qu'elles prétendent être. Et le Zant dans tout ça? Quelle est cette chose qui annihile les systèmes planétaires entiers en quelques heures? Comment protéger l'humanité face à de telles menaces, de telles puissances destructrices? La Grande Route du Nord vous fera cogiter, voyager, vibrer avec les héros. Évasion garantie pour ce space opéra dantesque. Garantie aussi sa lecture addictive avec un découpage intelligent en flashback éclairant, parsemant le récit pour vous livrer les infos vitales au compte-gouttes. Heureusement, on finit par tout comprendre à la fin, les implications sont énormes pour l'avenir de l'humanité. Un conseil, plongez sans tarder dans ce récit passionnant qui se déroule dans un riche univers SF. Merci à ma mère et à ma frangine pour m'avoir fait découvrir ce roman. Bonne journée, amis lecteurs!